Salut, voilà qu'on se retrouve dans un nouveau tutoriel, c'est Chronique Hacker, comment enlever les virus Win32, c'est-à-dire les virus qui rendent tous vos fichiers exécutables en zéro octet et créent des dossiers en zéro octet. Ce virus se situe justement dans votre disque dur, dans votre gestionnaire de tâches et aussi votre base de données, encore appelée le rejet de Windows. Cependant, nous avons conçu un programme qui permet d'enlever ce virus, de supprimer ce virus définitivement de votre ordinateur. Nous avons la version 1.0.1 ou 1.1 de l'antivirus Chronic Cracker Virus Removal. Donc, justement, voilà, vous avez vu les détails. Voilà l'antivirus conçu par Chronic Cracker qui pèse justement 90,5 kilooctets. Donc, justement, dans cette vidéo, vous avez la version 1.0 ou 0.0 de l'antivirus parce que dans les prochaines mises à jour, nous proposerons beaucoup d'autres modalités de l'antivirus. Nous sommes en train de commencer dans la conception d'antivirus pour Windows. Donc, justement, pour enlever ce virus, il vous suffira de cliquer, de double-cliquer justement là et d'appuyer une touche pour supprimer. On dit vous allez être déconnecté en moins d'une minute. Cela prendra environ 10 secondes. Donc, justement, je vais annuler l'arrêt de mon ordinateur. Donc, voilà. Ce virus que vous avez vu, après le redémarrage de votre ordinateur, le virus aura complètement disparu. Cependant, le virus, comme on a dit tantôt, je peux dire, il mange les fichiers en zéro, des fichiers exécutables, c'est-à-dire il le rend en zéro octet. Donc déjà, je vous présente une autre procédure, comment enlever ce virus. Donc, je vais vous montrer une nouvelle technique. Vous avez ici l'antivirus, autant pour moi. Voilà. Il vous suffira, voilà, le deuxième code batch. Un code batch qui enlève ce virus. Donc, justement, vous taperez entrée et là, l'antivirus fera effet et enlèvera le virus de votre ordinateur. Donc, justement, je vais vous présenter encore une nouvelle méthode, comment enlever les virus zéro octet. Bon, parce que je pouvais bien le faire avec mon ordinateur, mais si je faisais cette vidéo, si dans mon enregistreur de vidéo, si je mettais le virus en question dans mon ordinateur, si mon enregistreur de vidéo ne devait pas s'exécuter. Donc, on va aller dans ce PC. Bon, maintenant, cette méthode est un peu compliquée pour les versions Windows 7 et Windows 8. C'est tout à fait différent. Donc, les versions Windows 10, Windows 7 et Windows 8, leurs procédures pour trouver cette méthode sont un peu différent, mais l'antivirus est universel. Donc là, là les sous-propriétés, pas sous-propriétés, bon, autant pour moi, sur affichage, voilà, on vient sur options, après on passe sur affichage, et là on regarde justement là, afficher les dossiers et les lecteurs cachés, on fait OK. Maintenant, on entre là, vous avez vu 6 reset programme data et one term drive. Vous allez voir un dossier au nom de boot. Quand je dis boot, c'est boot. Voilà, quand je dis un fichier au nom de boot, c'est boot. Donc, quand vous entrez dans ce fichier boot, vous allez voir un fichier au nom de syswin. Au nom de syswin. Après avoir vu le fichier au nom de syswin, justement, vous allez venir dans votre gestionnaire de tâches qui est CTRL. Plus Alt plus Delete. Les trois combinaisons de ces touches sur vos claviers afficheront ou encore CTRL plus Shift plus ESC. Voilà, justement, on va appeler notre gestionnaire de tâches. Vous avez vu ici, si vous voyez le fichier au nom de Syswin, vous tapez justement la touche S sur votre clavier qui sont de chercher si le Syswin est disponible. Puisque j'ai pas de syswin, je vais vous présenter la technique. Si vous avez un syswin, par exemple, là, je prends de l'exemple avec mon bloc-notes, ouais, vous faites clic droit, vous pouvez faire ouvrir l'emplacement du fichier, c'est plus facile de trouver le virus en question. Ouvrir l'emplacement du fichier et avant de supprimer vraiment dans l'emplacement, bon, peut-être si je veux supprimer bloc-notes, si je veux supprimer bloc-notes, que voilà. Notez bien, arrêtez d'abord le processus. Vous faites fin de tâche. Une fois le processus arrêté, vous pouvez aller dans le dossier, là, le dossier, et supprimer. Faites un clic droit
et cliquez sur supprimer pour supprimer définitivement le virus de votre ordinateur. Ensuite, vous redémarrez la machine. Cependant, les gens qui rencontreront les problèmes liés au gestionnaire de tâches, le gestionnaire de tâches a été désactivé par votre administrateur. Le Regedit a été désactivé par votre administrateur. Cependant, dans la prochaine version de l'antivirus, nous commettrons cette nouvelle modalité. Comment activer son gestionnaire de tâches suite à une désactivation par un virus? Comment activer son Regedit suite à une désactivation par le virus? Vous aussi trouvez le virus, vous faites un Windows R qui est très facile. Vous tapez CMD, vous faites Regedit là et vous tapez entrée. Et oups, voilà, nous attendons justement. Et maintenant, question de trouver ce virus, ce putain de virus de merde. Nous allons justement regarder faire ici. Ctrl F, nous allons faire syswin et rechercher le fichier en question. J'ai pas ce fichier dans mon Regedit. Si vous trouvez le fichier, il vous suffira de cliquer justement ici. Bon, je vais prendre un exemple. Donc, si vous trouvez le fichier, vous ferez justement un clic là et supprimer. Après avoir supprimé, parce que et là vous redémarrez votre ordinateur. Ça, c'est la méthode manuelle pour enlever définitivement le virus de votre ordinateur. Vous avez la possibilité de double-cliquer sur notre fichier ou aussi vous avez la possibilité de, je peux dire, la possibilité de l'enlever manuellement. On se retrouvera prochainement pour un autre tutoriel parce que je suis basé généralement dans le free internet. Je suis basé dans les tutoriels de free internet et les tutos d'astuces et des méthodes de crack et de déblocage des divers trucs, des divers appareils. Donc, restez abonné à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé notre première. Question de nous encourager à sortir la prochaine version de notre antivirus. Si vous avez aimé cet antivirus, donc prochainement. Question de liker, vous likez notre vidéo et vous likez, cela m'encouragerait à sortir la prochaine version de l'antivirus. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, juste au dessous de la vidéo, et le lien de quelques de mes partenaires YouTubeurs. On se retrouvera prochainement pour un autre tutoriel vidéo.